51 ans, je suis père de famille de 4 enfants et je suis passionné par l'océan et aussi les sports nautiques. On en parlera dans quelques secondes, la natation, la plongée, la voile. J'ai toujours voulu vivre avec passion en fait ce que j'aimais faire. Donc à 16 ans, je voulais créer une entreprise. À 18 ans, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai créé ma première entreprise. Évidemment, c'était mon premier échec, mais mon premier succès, parce que lorsqu'on se plante, évidemment, il y a ceux qui le voient comme des échecs. Moi, je le vois comme l'apprentissage. Et puis après, j'ai eu d'autres succès et ça m'a permis de développer notre entreprise. Aujourd'hui, le groupe que j'ai donc développé, qui s'appelle Seafoodia, est présent et commercialise des merveilles des océans donc dans 70 pays. On devrait dépasser 200 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, grâce aussi à nos filiales parmi les plus dynamiques que nous avons à l'Orient. Au-delà de l'Orient, nous sommes implantés, donc, comme je l'ai dit, le siège est à Marseille, mais au Maroc, au Pérou, au Danemark, au Canada, etc. Voilà, on a 5-6 filiales dans le monde et nous sommes en fort développement. On a pour ambition de ouvrir quelques filiales chaque année. Je répète, nous sommes une entreprise engagée. On prône ce qu'on appelle les 5 P et qui peut s'appliquer à vos organisations aussi, à vos entreprises. Les 5 P, c'est le P de people. Le plus important, ce sont les hommes. Ce sont toujours des histoires d'hommes. Donc il faut promouvoir les belles valeurs humaines dans nos organisations et dans le monde entier. On a grand besoin. C'est le P, évidemment, de la planète. On ne peut rien faire sans la planète. On respire tous le même air. Même océan. Et donc il faut préserver notre planète pour les générations futures. Surtout quand, comme nous, on a vu des horreurs et des difficultés, parce que lorsque vous travaillez dans le métier qui est le nôtre, on voit quand même des choses, on voit la surpêche, on voit le manque de traçabilité, on voit des usines qui ne sont pas du tout en état, on voit parfois des enfants dans des usines dans certains pays. Enfin voilà, on voit quand même des choses qui sont assez marquantes et qui ont fait d'ailleurs que moi j'ai décidé de m'engager il y a une dizaine d'années en 2009 après avoir créé la société. Et plus tard, dans les actions des sénateurs, ce qui a fait que j'ai créé Pour l'océan. Parce qu'on a vu des choses qui n'étaient pas admissibles, et quand on voit des choses pas admissibles, je crois qu'on doit s'engager chacun à notre niveau. Donc le deuxième P, c'est le P de people. Le troisième P, c'est le P de produit. Est-ce que votre produit a du sens? Aujourd'hui, je suis fier de dire que le produit de Pure Océan, il a du sens dans son action des sénateurs. Mais nous, nos produits chez Groupe Seafoodia, ils ont du sens, puisqu'on essaye de commercialiser des produits durables et responsables. On est sur 15% des pêches durables et responsables, c'est-à-dire qu'on a exclu de notre spectre de business 85% du business. D'accord ? Imaginez, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, vous aussi, amis banquiers, vous êtes en train de dire, celui qui fait tel type d'énergie ou qui bousille la planète, je ne veux plus bosser avec. Les banques, elles se transforment aussi, elles deviennent des entreprises à mission, elles financent plus tout et n'importe quoi, particulièrement aussi Arkea, je sais que c'est le cas aussi chez Bancorp, et c'est tant mieux. Nous aussi, on l'a fait, on a exclu 85% de notre business. Vous pouvez tous faire pareil dans tous vos business. Si on le fait tous, on sera plus responsable. Et vous pouvez écrire, dénoncer, vous, madame la journaliste, qui ne va pas, pour aller plus vite pour un monde meilleur, il y en a grand besoin. Donc c'est le P de produit. Quel est le produit que vous commercialisez? Le quatrième P, c'est évidemment faire les choses avec passion et amour, et aller au bout des choses. Le P de passion, c'est dire les choses directement et avec des actions rapides. Vous êtes des intrapreneurs, des entrepreneurs ici, donc on n'est pas des gens qui ne faisons que parler. On est en pleine action, donc faire les choses avec passion et amour. Et le cinquième, évidemment, il ne faut pas le pognon, c'est le fait de profit. En fait, l'argent, ce n'est pas le mal, ce qui fait mal, c'est l'utilisation de l'argent. Donc pour moi, gagner de l'argent, c'est bien. Le fait de profit a un vrai cercle vertueux pour justement repartir sur le premier P. D'accord ? Ce sont nos 5 P. Je vous ai parlé, en fait, je voudrais revenir sur Pure Océan. Donc Pure Océan, il y a une dizaine d'années, on a décidé de s'engager, c'est chez Seafoodia, d'allouer 10% en fait de notre résultat à des actions de mécénat et de philanthropie. Posez-vous cette question, est-ce que je peux allouer 10% de mon résultat à des actions de mécénat et de philanthropie? On se dit qu'on va donner, on se dit qu'on va peut-être pas recevoir en échange, c'est complètement faux. Plus vous allez en fait allouer des fonds à des actions de mécénat et de philanthropie, et plus ça va être vertueux, et plus votre société va se développer. Enfin, certainement, c'est notre cas. Cette année, on est en très forte croissance, mais notre objectif, c'est 15% de croissance organique et 15% de croissance externe pour arriver à au moins 25% de croissance, ça fonctionne. Et je suis certain que c'est en lien avec Pure Océan. Idem avec Pure Océan, qui a grandi en fait assez rapidement. Pure Océan, que j'ai créé en 2017, l'idée est arrivée en 2014, puisque ma conclusion était qu'on manquait d'ONG et d'associations. Alors vous, ici à Lorient, vous êtes assez familier, on a Tara par exemple, que nous avons à côté. Des Tara, il en faudrait 30, il en faudrait 40. Hier soir, nous étions enfin représentés par Thomas à l'Assemblée nationale. Donc on avait en fait, on est un groupe, on va dire, d'une quarantaine d'associations et d'ONG, dont font partie Pure Océan, dont font partie Tara, dont fait partie de l'UNEF, représentés par quelque chose qui s'appelle Océan Climat.
Et donc, dans le fait, on essaye de faire du lobby auprès des Nations Unies, auprès des politiques, pour justement parler de la cause de la préservation de l'océan et parler de science et d'innovation, parce qu'on parle pas assez d'océan, on parle pas assez de science, on parle pas assez d'innovation. Et des ONG, bah, il en faut un peu plus. Et ma conclusion, il y a 5 ans, c'est comme une entreprise, finalement, il faut de la concurrence, il faut que ça bouge. Et ben, dans le monde des ONG et des associations, j'ai trouvé qu'il y en avait très peu, et surtout qu'il n'y avait pas assez d'ONG portées par des dirigeants qui comprennent d'autres dirigeants. Alors je me suis dit, je vais essayer de prendre cette niche, on va créer Pure Océan avec d'autres entrepreneurs, et Pure Océan, ce sera une fondation qui a pour vocation, évidemment, de parler de préservation de l'océan, mais avant tout, aller financer des programmes de recherche appliquée. Donc Pure Océan, c'est la recherche et l'innovation, mais portée par des entrepreneurs. Donc vraiment, le lien entre une entreprise, donc il y a plein d'entrepreneurs dans la salle, et les ONG. Alors concrètement, des projets de recherche et d'innovation, je vous en donner quelques-uns. L'année dernière, on en a eu plus de 150 en fait, qui nous ont été proposés de 40 pays. Donc c'est des jeunes scientifiques qui ont des projets, qui ont des idées, qui viennent de, l'année dernière c'était près de, donc je répète, 40 pays. Donc on est vraiment global, on ne s'est pas arrêté uniquement à la France, à la Bretagne, on est dans le monde entier. Et ces scientifiques, en fait, qui ont des projets de recherche appliquée, comme par exemple le microplastique sur un animal, par exemple, comment fonctionnent les drones, est-ce qu'on pourrait mettre des drones pour étudier le réchauffement climatique. Enfin, des idées, elles sont très nombreuses. Et donc, ces scientifiques, en fait, ont cherché le financement en général entre 5 000 et 100 000 euros. Nous, on va les financer, en moyenne, c'est 60 000 euros. D'accord ? Ils ont l'accès à des scientifiques. Sur des programmes qui peuvent durer de 1 à 3 ans. Encore une fois, c'est de la recherche appliquée, qui est différent du CNRS, qui est de la recherche fondamentale, vous savez. Ces scientifiques, on arrive à financer en général entre 3 et 5 projets par an. L'année dernière, c'était 4 projets. Cette année, on a encore de très nombreux projets. On sort du troisième appel à projets qu'on annoncera dans quelques mois. Et la sélection, en fait, de ces appels à projets que nous avons est faite avec un comité scientifique. Je ne suis pas expert, vous non plus. Donc, on a un comité scientifique avec d'éminents chercheurs du CNRS notamment en France, c'est Françoise Guel et Gilles Boeuf. Gilles Boeuf qui était l'ancien président du Musée National d'Histoire Naturelle, vous l'avez peut-être eu en conférence. Françoise Guel, elle a justement fondé aussi Océan Climat et chercheur du CNRS, et leurs alter ego dans le monde. Donc on a leurs alter ego au Maroc, en Norvège, en Inde, aux États-Unis, qui vont en fait sélectionner les meilleurs programmes qui nous sont présentés, et puis nous allons les financer. Alors pour les financer, bah vous avez des entreprises comme Sifudia, vous avez aussi des entreprises comme Arkea, comme j'espère bientôt Banque Populaire, comme d'autres partenaires, je pense à Jean-Pierre Dicky, mais aussi la main à la poche et d'autres probablement dans la salle, d'autres qui ont envie de nous rejoindre. On est une centaine de mécènes. L'année dernière, on a un budget qui était de l'ordre de 800 000 euros, donc ce n'est pas négligeable. Mais déjà parmi les ONG, évidemment, moi je rêverais d'avoir 10 millions d'euros cette année. Notre objectif, c'était 1,3 million d'euros. On va s'en rapprocher. On peut y arriver, mais on a besoin de vous, on a besoin de vos contacts, on a besoin de vos partenaires. Il y a plein de façons, en fait, de soutenir Pure Océan. Et je répète, de créer un cercle virtueux. Ce n'est pas obligatoirement un chèque de 1 million, évidemment, de 100 000 euros. Je blague, hein, parce qu'à partir de 5 euros, on est content. Mais plus c'est important, parce que de toute façon, vu que je suis là ce matin aussi pour quémander, ça nous fera plaisir si vous pouvez être partenaire d'une façon ou d'une autre. Mais le ticket moyen d'une entreprise, c'est en général au minimum 5 000, plutôt 25 000 et jusqu'à 125 000 euros. On a aussi de très gros partenaires. Il y a 2 ans, je suis venu justement, la transition est faite à Lorient. Je vous ai parlé très rapidement de projets, je reviens dessus. Je vous ai parlé du comité scientifique et je vous ai parlé des entreprises. Le Pure Océan, c'est donc 3 choses, hein, faut retenir 1, 2, 3. 1, on finance des programmes de scientifiques. 2, on fait de la sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser pourquoi l'océan. L'océan, c'est pas juste pour naviguer dessus, hein, on le sait bien. L'océan, c'est pas juste beau, l'océan, c'est fondamental. C'est 70% de la planète, c'est une respiration sur 2, c'est 9 espèces sur 10 à découvrir. On en connaît 250 000, il y en a 2 à 5 millions à découvrir. Et grâce à Pure Océan aujourd'hui, on a découvert de nouvelles espèces. On a mappé une partie du fond de l'océan, parce qu'il y a 90% de l'océan en fait qui est encore aussi à découvrir. Bref, l'océan, bah, c'est juste extraordinaire, et on ne fait pas grand-chose grâce à Pure Océan, on va découvrir plein de choses. Alors moi, là, je retrouve mon regard de gamin, il n'a pas changé, parce qu'à 10 ans, ça me faisait déjà rêver, je ne comprenais pas grand-chose, mais je trouvais ça magnifique.
Et bien 40 ans plus tard, je trouve ça toujours aussi magnifique. Et en fait, on ne comprend toujours rien. Je pense que ça va prendre un bout de temps avant qu'on comprenne quelque chose. Mais pour qu'on comprenne, il faut le préserver. Et il y a une urgence parce que l'océan aujourd'hui se porte moins bien. Et on a grosso modo 10 ans pour agir. Donc ce n'est pas des millions d'euros qu'il nous faudrait, c'est des milliards d'euros. Je pense personnellement qu'on devrait s'endetter avec des milliards d'euros au plus haut niveau aujourd'hui pour vite régler ce problème-là, et puis on le remboursera in fine plus tard. Mais si on bousille le jardin, c'est comme votre jardin devant chez vous, s'il est abîmé, bah, il est abîmé pour toujours. Hein. Il ne reviendra pas dans le même état, donc ça va être assez difficile de le ramener dans le même état. Donc il faut se bouger. Ce qui m'a amené ici aussi, c'était donc Jean-Pierre Dick, avec qui j'ai eu la chance de faire une traversée il y a 2 ans. C'était la route Saint-Pierre, donc Saint-Pierre et Miquelon, Lorient, que nous avons fait il y a 2 ans. Et donc j'ai passé 8 jours avec Jean-Pierre Dick, H24, en mer. Et au total, ça faisait 12 jours. Alors j'ai su ce que c'était que pas beaucoup dormir, me faire engueuler. J'ai découvert ce que c'était que le management, parce qu'on m'avait rarement parlé comme ça. Donc, c'était vraiment formidable pour l'humilité de passer 2 jours avec mon ami Jean-Pierre Dick. Du coup, on avançait dit qu'on allait poursuivre cela et on a décidé de changer de fusil d'épaule. Je vous annonce quelque chose d'important ce matin aussi. Il y a plein de belles annonces. Ça va être notre prochaine course, en fait. On a choisi une date extraordinaire, hein, le 8 mai, tout simplement, 2022. Et notre nouvelle course, Race for Pure Ocean, sera donc au départ des. Tu peux le dire ? Des Bermudes. Nous allons organiser Bermudes Lorient avec vous tous, avec le Lorient Grand Large, avec vous au mois de mai, qui sera donc une course d'environ 2500 000 nautiques. On va essayer de battre un record qui est établi. On nous donnera plus d'informations là-dessus si tu es d'accord, Maxime. Nous serons 4 équipiers à bord. Non professionnel, plus Jean-Pierre, plus une autre personne, donc 6 à bord pour essayer de battre ce record mythique. Donc on est par le 8 mai, on essaiera de battre ça en je dirais 9 jours, probablement 9-10 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est encore un gros moment pour Lorient, une belle traversée, et puis les Bermudes, c'est quand même un lieu qui nous fait tous rêver, et nous en viendrons, c'est promis, d'accord ? Parce que le triangle des Bermudes nous a fait tous rêver lorsque nous étions jeunes. Et c'est l'occasion en fait d'avoir tous les bateaux qui vont faire la route du Rhum qui vont revenir. Et ça peut être assez formidable en termes vraiment de regroupement de bateaux à voile et de porter évidemment la cause qui est pure océan. Alors comme toi, comme tu l'as dit Christian, pour moi le réchauffement climatique c'est vital. Je ne reviens pas sur tous les déclics. Moi j'en avais un. Quand même que je veux souligner, parce que je crois qu'on a tous des déclics. Peut-être pour certains, je suis le déclic ce matin, nous sommes le déclic ce matin, mais on ne peut pas vivre comme avant. Vous ne pouvez pas ne pas vous engager d'une façon ou d'une autre. Vous ne pouvez plus vivre comme avant parce que l'enjeu climatique est colossal. Moi, c'était en fait un Inuit que j'ai rencontré au Canada, avec qui je bossais, et en fait qui me montrait, qui parlait de l'herbe qu'il avait vue pour la première fois. Il n'y avait plus de glace chez lui, il y avait eu un vrai choc, il disait, mais depuis des milliers d'années, chez nous, les Inuits, ben, on avait de la glace, aujourd'hui, il n'y a plus de gaz parce que c'est en train de fondre. Le gars, il pleurait. Et avec émotion, je suis rentré en France en me disant, au bureau, en me disant, bon, David, tu ne vas pas pouvoir bosser de la même façon parce que le gars, il ne va pas vivre comme avant. Et ça a été le déclic de me dire, il faut faire quelque chose et il faut que je m'implique d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas évident, en fonction du job que vous faites, de se rendre compte en fait, de l'urgence du climat. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous porter aujourd'hui. Donc d'une façon ou d'une autre, engagez-vous avec nous ou pas. Sur les missions qu'on porte, les scientifiques, il y en a une qui me tient à cœur, par exemple, c'est comment les éponges de mer vont aller en fait impacter le microplastique. Alors l'océan, c'est une belle machine à laver, ça c'est ce qui est génial. Ça fait le boulot, mais vous avez aujourd'hui... Le microplastique, c'est 250 kg par seconde qui sont déversés. La question, c'est comment on va le faire disparaître, parce que ça va rester pour des centaines d'années. Donc nous, on a des points de scientifiques qui vont étudier justement comment on va bouffer, faire disparaître le microplastique et comment on va le nettoyer, notamment. Mais on a aussi des robots aujourd'hui en mer Égée qui découvrent justement des nouveaux récifs coralliens. Pour conclure, les amis, on vous a amené ça. Ça, c'est un sac qui s'appelle la Goutte Bleue, dont on est assez fier, mais l'histoire est triste et belle. C'est un sac qui vous permet en fait d'aller, que nous vendons 5 euros,
et qui vous permet, Thomas, je te donne la parole dans quelques secondes, et qui vous permet d'aller ramasser avec vos équipes sur la plage, en fait, des déchets. Parce que vous savez qu'évidemment, les déchets sont sur la plage. En achetant ce sac 5 euros, vous nous reverserez 4 euros pour la fondation de l'océan. Et vous ferez évidemment une bonne action, vous pourrez agir très concrètement. En région Provence, au mois de septembre, on a eu 52 des plus grandes entreprises en fait, qui se sont engagées. Et on a eu plus de 6000 collaborateurs qui sont allés ramasser les déchets. J'aimerais qu'on ait le même mouvement de la goutte bleue qui se mette en route ici, qui sont des actions simples en fait. C'est prendre nos collaborateurs, ceux qui sont les plus motivés, aller sur des plages ou pas, d'ailleurs on peut aller dans les bois. On ramasse tous ensemble, mais on est sensibilisé au geste de ramasser et on est sensibilisé ensuite à expliquer quels sont les déchets. Et nous, ensuite industriels, à réfléchir sur comment on peut réduire ces déchets. Parce qu'à l'arrivée, ça passera par nous, industriels, en fait, aussi avec nos casquettes d'entrepreneurs qui devons prendre nos responsabilités. Donc la goutte bleue, c'est une des actions que nous menons qui sont très simples. Et ça, les gouttes bleues, on peut les retrouver dans toutes vos entreprises. Donc vous ne pourrez plus avoir dans votre salle d'attente, enfin, ne pas avoir une goutte bleue dans la salle d'attente que vous pourrez commander auprès de Thomas. Sur ce, bah, écoutez, engagez-vous à nos côtés. Nous, encore une fois, on est là pour rester. L'Orient et la Bretagne, pour nous, c'est fondamental. On est devant l'océan. On aura prochainement des locaux Pure Océan que nous mettrons à disposition avec le groupe Sifudia. Peut-être d'ailleurs, à terme, les locaux de Pure Océan qui seront dans ces locaux doivent être ailleurs. Si vous avez prévu la région ou la mairie ou la CCI de mettre à disposition un espace pour plein d'ONG, c'est une bonne nouvelle. Donc, je serais ravi d'avoir Pure Océan avec Tara, avec WWF. Je crois qu'on a tous le même enjeu. Il n'y a pas de concurrence, puisque l'objectif, c'est aller, c'est tous ensemble de mener ces actions. Donc, moi, voir toutes les autres ONG et associations se développer, je trouve ça formidable. Si vous avez des initiatives, on sera ravi d'échanger avec vous. Merci pour votre présence ce matin. Merci pour votre engagement. Et puis surtout, le déclic ce matin, on peut dire ça ? Le déclic. Voilà. Merci à vous. Merci Thomas. Merci. Voilà.